Bonjour, bienvenue sur le plateau de Village Semences pour le grand rendez-vous, le grand direct, votre rendez-vous d'espace d'échange, de rencontres, de dialogue. Et aujourd'hui, nous allons parler graines, car s'il y a bien un secteur de l'agriculture en permanente évolution, en permanente mutation, c'est celui des semences. Évolution pour répondre aux attentes des cultivateurs, bien évidemment, mais également pour répondre aux attentes en matière d'environnement et aux attentes de la société. Alors pour parler de ces questions, je vous présente nos invités qui ce soir sont tous éparpillés un petit peu partout en France. On va commencer avec Thierry Baillet. Thierry Baillet, bonsoir. Alors, vous êtes agriculteur dans les Hauts-de-France et youtubeur, et à ce titre, vous vous êtes lancé dans une aventure originale. Alors, racontez-moi quelle est cette aventure avec votre tracteur. Alors donc, l'aventure qui a été mise en place depuis peu, hein, vu qu'on a démarré le 27 février, date du début du théoriquement du Salon de l'agriculture, c'est tout simplement d'aller faire un tour de France en tracteur. En association avec l'association justement du co-farming, donc une association de start-up, on a voulu aller à la rencontre d'agriculteurs, de structures agricoles, mais aussi du grand public. Alors, l'association du co-farming, tout simplement parce qu'elle a besoin de rencontrer des acteurs agricoles, hein, que ce soit des agriculteurs ou alors des structures agricoles. Et moi, parce que j'étais en promotion de mon livre qui s'appelle « Dans les bottes de ceux qui nous nourrissent », qui est sorti en novembre et qui, malheureusement, souffrait, entre guillemets, d'absence de salon, de rencontre dû à ce problème de Covid-19. Donc, on a trouvé cette idée un peu folle de dire pourquoi pas prendre un tracteur, et comme les gens pouvaient pas se rendre entre autres au SIA, au salon de l'agriculture, et à d'autres salons et d'autres rencontres, pourquoi pas utiliser les réseaux sociaux comme je le fais d'habitude, mais dans un contexte un peu différent, et diffuser un road trip, donc une balade pour aller rencontrer d'autres personnes et essayer d'expliquer un peu l'agriculture et surtout les technologies en agriculture. Alors là, vous êtes rentré chez vous dans les Hauts-de-France, parce que comme on dit, il faut laisser souffler la bête. La bête, en l'occurrence, c'est le tracteur. Il faut laisser souffler les chevaux vapeur. Mais vos premières rencontres, c'était dans quelle région et ça s'est passé comment? Alors, on est parti tout simplement de la Tour Eiffel. On voulait avoir un point de départ, j'allais dire, un peu original, et puis marquer que les agriculteurs s'intéressaient aussi aux citoyens, vu qu'on veut que les citoyens s'intéressent à nous, et entre autres, aux Parisiens. Et ensuite, on est allé, sur Orléans, sur Rennes, sur Paimpol, sur Guingamp, sur Vannes. Donc, on a fait tout le secteur Bretagne, en avançant, sur ce secteur-là. Pardon ? À quelle vitesse ? À quelle vitesse ? 45 km/h maxi, encore pas toujours. Donc ça, on a fait un peu plus de 1000 km. J'ai pas le nombre exact, mais on doit être à 1070 km à peu près. Donc en partant du samedi, en finissant le samedi aussi, on a fait 7 jours, bien sûr en faisant des haltes et avec des distances qui variaient entre 50 et 300 km selon les journées pour pouvoir se poser aussi dans des exploitations, faire des visites, aller rencontrer les agriculteurs et puis du grand public, quoi. Alors justement, je parlais de la diversité des agricultures, la diversité des modes de culture. Ces diversités, vous les avez côtoyées directement en vous rendant chez vos collègues agriculteurs. C'est exactement ça. Moi, ce que j'ai comme objectif, et entre autres ce que j'ai mis en avant dans le livre « Dans les bottes de ceux qui nous nourrissent », c'est que l'agriculture est plurielle, elle est diverse selon les régions, selon les types de production, selon l'historique de l'exploitation, les débouchés qui sont possibles, et puis la sensibilité aussi de l'agriculteur. On a forcément des agricultures qui sont différentes. Parfois le grand public voudrait pouvoir nous enfermer dans une ou deux cases en disant il y a des solutions qui existent, pourquoi vous les
les pratiquait pas, en bio, en permaculture, sans pesticides. Il faudrait absolument faire tous de la même façon. Alors qu'en réalité, il y a bien une raison et il y a bien des histoires qui font que dans une situation donnée, on peut avoir 250 hectares en céréales, en TCS, et à un autre endroit, on peut avoir 20 hectares en bio et en maraîchage. Et pour autant, il n'y a pas d'erreur d'un côté ou de l'autre. Le système est bon. C'est pareil en élevage. Il y a différents modes de production qui correspondent à des attentes de producteurs, de consommateurs aussi, et puis de marché, auxquels on répond. On ne peut pas vendre des produits qu'on ne nous achète pas, donc on répond à des attentes de marché. Et donc, c'est pour vraiment montrer cette diversité que ce tour a été fait, et voilà, aller voir des types d'agriculture différentes. Alors, on va vous retrouver dans un instant. Juste une dernière question. Là, vous avez commencé votre périple par quelle destination et quelle est la prochaine ? Alors donc on a commencé par la Bretagne, ensuite on va attaquer les Hauts-de-France donc au mois de juin, aux alentours du 11-12 juin, on va passer sur Lille, on va aller aussi... Sur les Hauts-de-France, vous jouez à domicile si je puis dire. Exactement, je démarre de chez moi et on finit normalement dans la Marne si tout va bien. Ensuite on fera la région Aura, donc au mois de septembre, et puis au mois de novembre la région Occitanie, et puis on va aller faire un tour certainement aussi au salon Innovagri si tout se passe bien, donc en septembre si on a la chance de pouvoir l'avoir. On croise les doigts pour le salon Innovagri. Alors on va maintenant retrouver Jean-Albert Fougereux. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes directeur technique de la Fédération des agriculteurs multiplicateurs de semences. Alors pour le grand public qui ne connaît pas forcément toutes les subtilités du monde agricole, c'est quoi un multiplicateur de semences ? Un multiplicateur de semences ou une multiplicatrice de semences ? Ah oui, car c'est un métier qui se conjugue au féminin. Agriculteur ou d'agricultrice d'ailleurs. C'est un métier où on demande à quelqu'un de prendre une semence et de faire en sorte qu'il en reproduise plusieurs. C'est un multiplicateur de semences, c'est quelqu'un qui fait des cultures qui sont vraiment destinées à produire des semences. Voilà. Et c'est finalement en France, métier, on a. C'est un métier d'humilité parce que finalement, ce sont des agriculteurs qui travaillent pour d'autres agriculteurs. Oui, qui travaillent pour d'autres agriculteurs et in fine pour l'ensemble des consommateurs parce que la semence, c'est à l'origine de toutes les cultures. Donc, c'est bien un métier qui rend un grand service à la société comme tous les métiers d'agriculteurs. Patrick Beauvois, bonsoir. Ah, on vous a perdu, Patrick Beauvois. On vous a retrouvé. Alors, vous êtes responsable production de semences de la COP Terre Atlantique. Alors, c'est quoi votre job au quotidien à la COP Terre Atlantique ? D'abord, la COP Terre Atlantique, sa zone géographique, c'est où ? Voilà, donc pour ma part, je suis basé à côté de La Rochelle. Voilà, donc en Charente-Maritime, c'est le territoire géographique de la coopérative Terre-Atlantique qui est positionné donc sur le département de la Charente-Maritime et le sud du département des Deux-Sèvres. Et alors, qu'est-ce votre activité au quotidien ? Alors, pour ce qui est de mon activité, elle est multiple. La première casquette, c'est de gérer la production des semences chez les multiplicateurs dans les champs. Et la deuxième partie de mon activité consiste à travailler ces semences dans une usine pour pouvoir les rendre disponibles aux agriculteurs qui vont les acheter ensuite. Et on retrouve Gilles Lachambre, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes le directeur d'Eurosem, c'est quoi Eurosem ? Donc Eurosem, c'est une usine de production de semences. Donc on va dire le même rôle que Patrick. Mais vous n'êtes pas tout à fait dans la même région, vous êtes en Champagne, je crois. Voilà, tout à fait. Donc Eurosem, c'est la filiale du groupe coopératif Cérésia, basé dans la Marne. Donc on rayonne sur le Grand Est et sur les Hauts-de-France. Alors, je disais en ouverture d'émission qu'il n'y a pas une agriculture, mais des agricultures, et qui dit des modes de culture différents, dit aussi des besoins différents. Est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui, en matière d'attente de semences, les demandes des agriculteurs ont beaucoup évolué ces 5-10 dernières années ? Effectivement, il n'y a pas qu'une seule agriculture, il y a plusieurs agricultures. Nous, on produit des semences certifiées pour les agriculteurs conventionnels et également pour des agriculteurs bio, puisqu'on a des chaînes dédiées
pour la production de semences à destination des agriculteurs bio. Alors comment ça marche justement pour qu'il n'y ait pas de mélange des genres entre semences dites conventionnelles, même si le mot n'est pas très agréable, et semences bio ? Eh bien, on va avoir des producteurs forcément différents, hein, puisqu'on va avoir des producteurs multiplicateurs, chez qui on va placer des contrats de multiplication, donc soit en conventionnel, soit des agriculteurs bio, et après on récupérera leurs marchandises, on travaillera dans nos usines, stations de semences, ces lots isolés lot par lot, et puis pour les nettoyer, les trier, les protéger éventuellement, les conditionner et les mettre à disposition, prêts à l'emploi pour les agriculteurs. Jean-Albert Fougereux, on parle des semences bio. Il y a une vraie demande aujourd'hui, il y a une vraie attente des producteurs pour des semences bio. Il y a effectivement une attente qui est croissante. On est aujourd'hui sur une croissance de l'ordre de 30% par an en matière d'augmentation des hectares de production de semences bio et aussi du nombre d'agriculteurs qui se lancent dans la production de semences bio. Donc en fait, effectivement, aujourd'hui, c'est un secteur en très forte croissance. On a une variation assez nette de l'engagement des producteurs en fonction des espèces. On a des espèces comme les céréales à paille pour lesquelles on a à peu près 6% actuellement des productions qui sont pour l'agriculture biologique. Et on a d'autres groupes d'espèces pour lesquelles c'est un petit peu plus long à la détente. En fait, c'est fonction à la fois des besoins des marchés et aussi de la difficulté à produire des semences bio, parce que c'est pas forcément toujours évident. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que vous devez cumuler deux cahiers des charges, celui de l'agriculture biologique, évidemment l'impossibilité d'utiliser des produits phytosanitaires classiques, ce qui est assez compliqué quand on veut maîtriser un grand nombre d'adventices ou de bioagresseurs. Et puis vous devez cumuler avec ça le cahier des charges semences, avec des normes de germination, de pureté sanitaires qui sont les mêmes que pour les semences dites conventionnelles. Donc en fait, produire des semences bio, c'est pas simple. Ça se fait, mais c'est quand même un enjeu technique assez compliqué. Patrick Beauvois, la COP Terre Atlantique, vous êtes positionné aussi, vous avez une offre bio ? Tout à fait. Nous produisons des semences bio pour une coopérative voisine avec laquelle nous travaillons, donc la CORAB. Et nous produisons des semences bio céréales à la paille, notamment de l'épeautre, du seigle, des avoines nues, mais dans le cadre d'une production strictement biologique, c'est-à-dire que ce sont des agriculteurs convertis bio qui produisent ces semences à côté de leur production consommation traditionnelle, en fait. Donc ils ont appris un nouveau métier, celui de la multiplication de semences. Alors ce n'est pas, quand on voit par exemple la difficulté aujourd'hui de faire venir des agriculteurs dans l'agriculture biologique, est-ce que vous avez aussi des difficultés vous pour trouver des candidats multiplicateurs bio ? Oui, c'est pas si évident, et d'autant plus qu'en parallèle de ça, la production de semences est aussi une production un peu concurrentielle des productions, de consommation classique. Et donc, la valorisation de la production de semences doit pouvoir permettre à l'agriculteur multiplicateur, qu'il soit bio ou non d'ailleurs, de pouvoir dégager un revenu intéressant par rapport au travail qui est engagé pour cette production de semences. Donc ça aussi, c'est un élément important à prendre en compte pour trouver des agriculteurs multiplicateurs et arriver à les engager dans ce schéma de production. Thierry Baillet, dans votre périple, vous avez rencontré aussi des collègues agriculteurs qui sont en agriculture biologique ? Oui, j'ai eu l'occasion de rencontrer un producteur en maraîchage qui travaille en famille avec son père et puis sa maman sur 20 hectares, donc sur secteur plutôt nord-finistère. Et c'est vrai que c'est une problématique que je connais bien, étant donné que je suis aussi en partie en conversion bio sur l'exploitation. Donc on a aussi des terres comme celle-là. Et c'est vrai, quand on disait la difficulté à produire des semences bio, déjà la complexité de produire une culture bio et de la mettre à terme en,
en bon état sanitaire est pas toujours acquise. Hein. On n'a pas les mêmes cartouches, on n'a pas les mêmes sécurités qu'en conventionnel. Et de là, arriver à pousser encore plus loin, étant donné que voilà, les systèmes de semences, pour certains, ça peut être 2 années cumulées donc de production pour avoir d'abord le bulbe et puis la graine, par exemple, pour de l'oignon. C'est vrai que ça complique encore plus les choses et ça rend, j'allais dire, les attaques de ravageurs, de maladies encore plus complexes à gérer. Donc, c'est vrai que là-dessus, moi, je suis pas producteur en semences en bio, mais je tire mon chapeau à ceux qui arrivent à le faire parce que c'est assez complexe, quoi. Jean-Albert Fougereux, ça nécessite un accompagnement supplémentaire pour les multiplicateurs qui se lancent sur ce marché-là? Oui, bien entendu, il y a toujours l'accompagnement est toujours souhaitable, mais il est vrai que sur ces cultures de semences bio, on s'appuie pas mal sur l'expertise, sur l'expérience qu'ont pu cumuler les pionniers, je dirais, sur la matière. Bon, après, on commence à avoir un certain nombre de références techniques, un certain nombre de repères, de pratiques culturelles à adopter chez différentes espèces, qui permettent de diffuser ces pratiques, ces connaissances. Mais en fait, c'est toujours quand même très particulier à chaque exploitation, à chaque parcelle, et on apprend beaucoup sur le terrain, dans ce domaine-là. Sans doute beaucoup plus que en pratique conventionnelle, où grosso modo, il faut bien reconnaître que une pharmacopée solide et étendue permet de sécuriser, et que j'entends par là des produits phytosanitaires, permet de sécuriser les itinéraires de production de façon assez homogène d'une exploitation à l'autre, alors qu'en bio, on est quand même beaucoup plus dépendant de l'environnement et il y a vraiment une expérience à acquérir pour chaque producteur, et c'est là que c'est beaucoup plus complexe en fait. Ouais, Gilles Lachambre, c'est quand même un secteur nettement plus difficile et délicat à mener que le secteur conventionnel. Tout à fait. Je confirme tout ce qui est dit. On a souvent des déboires sur certains contrats de multiplication qui ne vont pas jusqu'au bout pour fournir des semences aux normes et certifiées. Donc, mais on a aussi un réseau de multiplicateurs quand même, on va dire, fidèles. On change pas de multiplicateur tous les ans. Donc, il y a une expertise, une expérience qui s'acquiert d'année en année pour pouvoir produire des semences de qualité. Alors, vous dites qu'il y a des contrats qui ne vont pas à terme. Qu'est-ce qui se passe si ce contrat ne va pas à terme? C'est-à-dire qu'on n'aura pas de semences pour envoyer chez vos clients agriculteurs? Tout à fait. Donc, on n'aura pas de semences à fournir. La production sera... comme on dit, déclassé donc en consommation, puisqu'elle pourra être utilisée en consommation, mais pas en semences. Alors moi, au-delà de l'agriculture bio, je voudrais qu'on parle plus généralement des attentes sociétales. Aujourd'hui, on le voit, et notamment à travers le plan de filière de CEMAE, où on prend en compte l'opinion des consommateurs, des utilisateurs et de la société en général. Est-ce que aujourd'hui, vous diriez qu'on ne fait plus de semences comme on le faisait il y a 10, 20 ans? Non, les quantités varient d'une année sur l'autre, hein, puisque donc on a la semence certifiée et la semence produite chez les agriculteurs à la ferme. Donc, on va dire que ça se partage à 50-50, plus ou moins suivant les années. Donc non, on n'a pas de grandes variations de production de semences. Thierry Baillet, vous qui êtes au contact des agriculteurs tout au long de votre périple, les attentes aujourd'hui de vos collègues, c'est quoi en matière de semences? Les attentes sont multiples parce que c'est pas uniquement l'agriculteur qui a des exigences ou des demandes au niveau des semences. On a la grande distribution, on a les évolutions aussi par rapport aux problèmes climatiques. C'est vrai que ça, c'est une grosse attente et je sais que le secteur semencier travaille beaucoup sur ces sujets-là et doit prendre 10 ans d'avance par rapport à ce que, j'allais dire, à ce que l'agriculteur va demander ou le consommateur va demander
dans les 10 prochaines années, parce qu'il faut en général à peu près une dizaine d'années pour pouvoir produire une variété. Ça dépend encore des espèces. Et là, j'allais dire, je suis pas spécialiste, mais il me semble que c'est un peu dans cet ordre-là. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'attentes à ce niveau-là. Alors pour l'agriculteur, c'est sûr que la semence idéale serait, et on parlait de la bio, on voit qu'il y a des variétés plus résistantes qui arrivent. C'est une nécessité pour nous par rapport aux ravageurs, aux maladies, par rapport à la diminution des droits d'usage de produits phytosanitaires. Ça doit être déjà cette partie-là. Ça doit être aussi, voilà, comme je le disais, la partie résistante à la sécheresse, parfois aux plus fortes températures, parfois au manque d'eau. Parfois au froid ou aux chaleurs. Donc ça, c'est tous des éléments qui arrivent en plus. Sans oublier, voilà, les attentes, j'allais dire sociétales, en termes de goût, en termes de durabilité du produit, pour qu'il résiste mieux aussi, j'allais dire au stockage. Donc c'est vrai que c'est une équation qui doit être hyper compliquée à résoudre, et franchement je tire mon chapeau à cette industrie qui arrive à suivre un petit peu tout ça, parce que c'est vrai qu'on voit des choses évoluer. Moi, depuis que je suis installé, depuis 25 ans, j'ai vu beaucoup d'avancées en termes de variété, de résistante par exemple, on arrive à voir ça, et je pense qu'il y a encore pas mal de travail, et il y a encore un avenir là dans la recherche qui est important, quoi. Justement, en matière de changement, de modification sur ces dernières années, donnez-nous quelques exemples. Alors, si je prends la pomme de terre, par exemple, en bio, mais ça vaut aussi en céréales, hein. C'est vrai que l'utilisation de variétés qui sont de plus en plus résistantes aux maladies, qui tiennent beaucoup mieux, permettent d'avoir des rendements qui se tiennent, alors qu'ils ne sont pas au niveau du conventionnel, hein. Clairement, on n'y est pas encore, bien que pour certaines, on puisse les atteindre dans les meilleures conditions, mais permettre aussi de se passer complètement de pesticides. Hein. Je vois, en oignon, on arrive à avoir des variétés qui résistent parfaitement au mildiou, alors qu'en conventionnel, on ne les a pas. On a la même chose en pommes de terre, où on a réduit drastiquement les passages en fongicides sur certaines variétés. Alors là, par contre, au niveau rendement, on est forcément en deçà de l'attente. Ou alors, parfois, on a des variétés qui sont moins gustativement agréables, mais qui ont des rendements aussi qui fonctionnent. Donc, il y a toutes ces évolutions-là qui ont été quand même bien intéressante, et on voit par exemple en maïs aussi de plus en plus de variétés qui résistent un peu plus à la sécheresse, qui auront là aussi peut-être des rendements un petit peu en deçà des autres, mais qui permettent de travailler sans irrigation, ce qui peut être un cas intéressant aussi dans certains secteurs, quoi. Voilà, c'est aussi des choses que vous pouvez faire passer auprès de vos voisins et auprès des gens que vous croisez tout au long de votre périple. Je crois, Thierry Baillet, que vous allez devoir vous quitter. Donc, merci beaucoup d'avoir participé au début de cette émission. Patrick Beauvois, je voudrais qu'on parle un peu, justement, on l'a évoqué à l'instant avec Thierry Baillet, qu'on parle un peu de la mise en œuvre d'une nouvelle semence. J'allais dire, entre le moment où on réfléchit à l'idée, où on pose sur le papier une sorte de reconnaissance en disant, voilà, on voudrait une variété qui a telle particularité, tel type de rendement, tel type de choses, et le moment où cette semence va arriver réellement chez l'agriculteur pour être utilisée en plein champ, il faut combien de temps ? Plusieurs années. Et donc, je ne suis pas forcément un spécialiste de la recherche et de la création variétale, mais on peut se dire entre 5 et 10 ans pour pouvoir produire une nouvelle variété, une nouvelle semence qui apporte certains critères différents par rapport à la génération antérieure. Donc on peut travailler sur la productivité, le rendement, mais également sur la tolérance aux maladies, la résistance, si on peut parler vraiment de résistance, c'est plus une tolérance aux maladies, sachant que les maladies s'adaptent. Et ces maladies, champignons ou virus, peuvent contourner finalement la tolérance qui est présente dans la plante qui a été produite. Donc ça nécessite de trouver ces gènes de tolérance, de pouvoir les mettre dans la plante, faire qu'ils s'expriment, et ensuite si on est amené à les faire évoluer, ben ça prend du temps. Donc parfois on peut être pris de court entre le moment où on a une difficulté rencontrée sur le terrain et la réponse que l'on peut apporter à cette problématique. Il peut se passer plusieurs années.
Oui, justement, Gilles Leschambre, est-ce qu'il n'y a pas le risque, quand on voit le pas de temps, de se dire qu'on va avoir la fausse bonne idée? C'est-à-dire qu'on va vouloir répondre à une demande à l'instant T et finalement qui n'aura plus beaucoup d'intérêt. J'allais dire faire un petit peu ce qu'on fait dans l'aéronautique. On a fait des avions, des très très gros porteurs, et on s'est aperçu que 20 ans plus tard, le gros porteur n'avait plus d'intérêt. Est-ce que c'est la même chose pour les semences? Effectivement, il nous faut du temps pour créer les nouvelles variétés, et les chiffres ont été dits, et ça peut être frustrant de devoir attendre déjà un nombre d'années d'environ 8 ans pour voire plus pour créer une nouvelle variété par rapport à des demandes actuelles, et d'arriver dans 8 ans, dans 10 ans avec la variété qui n'est pas forcément celle attendue. Après, pour répondre à votre question, les sélectionneurs, les obtenteurs qui, eux, créent les variétés, hein, nous, on ne fait que diffuser le progrès génétique, les obtenteurs et les sélectionneurs créent de nombreuses variétés. Alors, leurs programmes de recherche et de développement sont sur de plusieurs pistes et tous les ans créent de nouvelles variétés pour pouvoir avoir un panel pour répondre à différentes demandes. Aujourd'hui, c'est quoi les grandes tendances dans la recherche, dans l'élaboration de nouvelles semences? Principalement les résistances aux agresseurs, hein, que ce soit maladies, champignons ou insectes. Donc ça, c'est une cible. Après, ne pas perdre de vue la qualité du produit pour répondre aux attentes des industriels et des consommateurs. On travaille également aussi, on parlait du bio tout à l'heure, donc le comportement des variétés et principalement leur faculté à étouffer les adventices. Donc ça, c'est des choses qui sont travaillées. Et puis, suivant les espèces, là, je parle beaucoup céréales à la paille, mais si on parle d'autres espèces, il y a tout l'aspect par rapport à la gourmandise en eau des cultures. Donc essayer de décaler les cultures, avoir des précocités pour des récoltes plus tôt, pour éviter les périodes de forte chaleur, donc pour être d'avoir des variétés moins gourmandes en eau. Oui, ça c'est j'allais dire le combat numéro un, c'est effectivement obtenir des choses qui soient moins gourmandes en eau pour répondre à la fois aux enjeux climatiques, mais aussi aux attentes sociétales, parce que ça, c'est quelque chose qui revient régulièrement. Tout à fait. Après, je vous écoute, oui. Oui, c'est énormément de pistes de travailler par les sélectionneurs. Alors, est-ce qu'il n'y a pas quand même un problème? Parce qu'on voit le pas de temps, hein, entre 5 et 10 ans, mais les attentes sociétales, elles se font à l'instant T. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un gap entre ce qu'attendent les citoyens et puis ce que vous êtes réellement en capacité de produire? Alors, une fois que les variétés sont inscrites et sont peuvent être produites, nous on va beaucoup plus vite, hein, pour produire et diffuser ce progrès. Ah, là on vous a perdu, on va vous retrouver dans un instant. Jean-Albert Fougereux, même question, est-ce qu'aujourd'hui il n'y a pas un fossé entre les attentes sociétales et la réalité du monde de la semence? Je pense qu'il y a toujours, évidemment un écart entre les attentes sociétales et le monde de la semence. Honnêtement, je suis pas sûr que le monde sociétal les attentes sociétales soient en mesure d'objectiver ce qu'on peut attendre d'une semence aujourd'hui. Bon, il y a bien effectivement cette notion d'économie d'eau, sans doute d'économie de produits phytosanitaires, mais je pense que les attentes ce qu'on peut attendre d'une semence aujourd'hui, elle vient plus des industriels, de la distribution. Je crois que le consommateur est malheureusement un peu trop loin de tout ça aujourd'hui. Sauf peut-être le jardinier qui va lui avoir une expertise peut-être affinée, affûtée sur ce qu'il attend par exemple d'une semence potagère. Dans ce domaine-là, oui, sans doute. Dans le monde des céréales, je pense que aujourd'hui le consommateur est assez loin de tout ça. Mais comment on peut expliquer au consommateur justement? C'est ce qu'on essaie de faire un petit peu au cours de toute cette semaine, on peut dire. Tout ça est relativement complexe, donc en fait c'est pas évident.
On a des difficultés de communication parce qu'il y a des messages qui sont brouillés. Vous savez, vous n'êtes pas sans ignorer que la semence dans la tête d'un grand nombre de citoyens fait écho avec un certain nombre de gros mots comme les mots OGM, nouvelles technologies, etc. Donc en fait, on a beaucoup de mal à expliquer les choses très simplement, très basiques, très pratico-pratiques. Parce que justement, à chaque fois qu'on évoque le mot semence, vous savez, tous autant qu'on est hein, travaillant dans la filière semence, tous autant qu'on est dans nos familles respectives, on a du mal à expliquer ce qu'on fait. Donc c'est un vrai challenge que de faire comprendre, d'impliquer le consommateur dans ce cahier des charges de ce que l'on peut attendre d'une semence. C'est d'autant plus compliqué que en fait la semence c'est pas un monde, ce sont des mondes et plein de mondes. En France, on est un grand pays agricole et on a une très grande diversité d'espèces produites, multipliées. On peut estimer le nombre d'espèces produites en France chaque année à peu près à 300. Sans doute plus si on va dans le détail de certaines espèces florales qui peuvent être cultivées sur quelques dizaines de mètres carrés seulement en France chaque année. Si on regarde le nombre de variétés multipliées en France chaque année, on est à plus de 6000, toutes espèces confondues, et là sans compter les espèces potagères qui doivent en compter encore quelques milliers. Donc ça vous donne une idée de la très grande diversité de ce monde qui est le monde de la semence. Et puis on a des espèces qui sont très différentes en termes de problématiques. On a pas mal parlé des céréales à paille là dans nos échanges. C'est vrai que les céréales à paille représentent grosso modo un bon tiers des 380 000 hectares de production de semences en France. Il faut bien ça pour pouvoir ensemencer les millions d'hectares que l'on a en céréales à paille en France chaque année. Mais ça, c'est un exemple. Je peux donner un autre exemple, si vous voulez. En France, pour produire les laitues, les salades, on a besoin de produire des semences seulement sur 50 hectares. Et là, on a affaire à des productions de semences hyper spécialisées, réalisé par quelques agriculteurs multiplicateurs hyper spécialisés. Là, on est dans un autre monde de la semence. Ça va être la même chose si on parle du plant de pommes de terre, par exemple, ou si on parle de semences de lin. Je pourrais citer comme ça des exemples très différents d'espèces produites dans différentes régions, pour différents marchés, etc. Donc la difficulté de parler de la semence, c'est aussi qu'on a affaire à des choses très très diverses, ce qui est une richesse, mais qui rend les choses un petit peu plus complexes à expliquer et à propager dans l'esprit de nos concitoyens. Alors, vous parlez des salades, finalement une poignée de multiplicateurs pour toutes les salades qu'on va trouver sur notre marché, c'est un secteur qui doit être surveillé comme le lait sur le feu, ça, non ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'il ne faut pas se louper, parce que sinon il n'y a pas de salade dans les champs. Oui, vous avez raison, il ne faut pas se louper. Non seulement il n'y a pas de salade dans les champs, mais en plus, si l'agriculteur multiplicateur se plante, lui, on ne pourra pas réutiliser sa graine pour manger de la salade, contrairement à un producteur de graines de semences de blé, pour lequel on pourra éventuellement utiliser sa semence qui ne serait pas de bonne qualité, pour faire de l'alimentation pour les animaux. Une semence de laitue, ça coûte extrêmement cher. Si on se plante, on a tout perdu, on a tout faux. Donc là, effectivement, c'est extrêmement extrêmement sensible. Alors Gilles, c'est le cas d'ailleurs de la... Est-ce que vous êtes de nouveau avec nous? Est-ce qu'on vous a retrouvé? Oui. Voilà. Alors là, on a parlé, on s'est projeté dans le futur et en répondant aux attentes sociétales, on voyait un petit peu ce que les gens attendent, les producteurs, les consommateurs, notamment avec les secteurs de la bio. On a évoqué les recherches, mais moi, je voudrais savoir s'il n'y a pas des vieilles variétés de semences qui sont encore bien d'actualité. Pour reprendre le bon vieux dicton, hein, c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes. Est-ce qu'il y a des vieilles semences qui ont toujours droit de cité aujourd'hui et qu'on utilise tout au long de l'année dans les champs français? Alors, tout à fait. Le cycle d'une variété est quand même assez long, heureusement.
Après, c'est une question d'offre et de demande. S'il y a des demandes du marché, des transformateurs, des agriculteurs pour continuer à avoir de la semence d'anciennes variétés, nous, on a les capacités de les produire. Et alors, comment ça se passe? Qui est le donneur d'ordre au départ pour se lancer sur une nouvelle, un nouveau programme de semences? Ah ben, je dirais que c'est la demande du marché qui va guider les agriculteurs pour produire certaines variétés, certaines productions, et du coup, avoir un besoin de semences que nous on produira. Et là, le marché, il va dans quel sens en ce moment? Oh ben le marché de la semence est plutôt stable, on va dire. On est plus à la recherche de nouvelles variétés avec des nouvelles caractéristiques qu'on a pu citer précédemment pour améliorer, on va dire, les productions. Et Patrick Beauvois, de par chez vous, du côté de la coopérative Terre Atlantique en Charente-Maritime, quelles sont les tendances aujourd'hui en matière de semences? Est-ce qu'il y a des choses, je parlais des vieilles semences qui font de la résistance, il y en a chez vous? Des vieilles semences, relativement peu. Les demandes que nous avons de la part des transformateurs, notamment des transformateurs locaux, je pense à la meunerie locale, sont sur des variétés qui vont avoir des caractéristiques pour la panification, pour les mélanges de farine, qui correspondent plus à des variétés assez nouvelles. Quand je dis assez nouvelles, qui ont au moins une dizaine d'années. Pour autant, si leur demande portait sur des variétés plus anciennes pour répondre à certains marchés, à certains consommateurs, nous serions effectivement en mesure de les produire. Mais je sens bien qu'aujourd'hui, c'est pas forcément le secteur où il y a le plus de dynamisme. On le retrouverait plus en production biologique, des variétés plus anciennes. Mais pour des raisons liées à leurs caractéristiques, nutritionnelles, ou d'utilisation par rapport à un débouché spécifique. Et est-ce que c'est un marché très, très concurrencé? Est-ce que, même si la France reste leader mondial de l'exportation de semences, est-ce qu'il y a des semences qui viennent de l'étranger? Il y a des semences qui viennent de l'étranger. Comme nous exportons beaucoup, il y a aussi des importations. Pour autant, pour ce qui est des céréales à la paille, on va dire que la France est autosuffisante en termes de production de semences, c'est-à-dire que nous produisons les semences en France qui sont mises en terre sur le territoire et par les agriculteurs français. D'autres espèces, comme les espèces potagères, ça a été cité tout à l'heure, celles-ci voyagent davantage et donc elles peuvent rentrer plus facilement sur notre territoire ou d'autres semences, mais qui sont pas forcément pondérales, on va dire, sur des plus petites quantités, l'importation, et si notre savoir-faire n'est pas suffisant, est intéressant. Mais pour autant, la France produit la majorité de ses semences. Alors moi, je voudrais qu'on fasse un petit tour de table avec vous trois, pour qu'on analyse justement la situation d'aujourd'hui, la France leader mondial. Pourquoi? Quels sont les atouts, selon vous, de la France? Jean-Albert Fougereux, tout d'abord. Alors déjà, pour analyser ça, je pense qu'il faut voir quelles sont les espèces sur lesquelles on est très bien placé. On est leader mondial en matière d'export, on est le premier exportateur mondial. Ce qui fait le chiffre à l'export, et ce qui fait une balance commerciale très positive, c'est les semences de maïs. Ce sont les semences oléagineuses, les semences potagères, ce sont les plantes pommes de terre également. Et puis on a quand même quelques secteurs où on est importateur, comme par exemple les semences fourragères, là où on est dans un déficit plutôt croissant. Alors, pourquoi est-ce qu'on est si fort en France? Je pense qu'on est fort en France parce qu'on a des entreprises de sélection qui apportent une plus-value sur les variétés commercialisées et à exporter. On est fort en France parce que on a une réglementation qui est prise au sérieux par tous les pays de la planète. On a été sans doute précurseur en Europe, en France et en Europe, pour mettre en place une réglementation qui sécurise l'utilisateur de semences, qui le sécurise sur la germination de la semence, sur sa pureté
et sur son aspect sanitaire. Donc ça, ce sont des gros atouts. Et puis ensuite, on a les atouts majeurs que sont le terroir, la diversité des terroirs qui permet de multiplier plein d'espèces différentes. Et enfin, la cerise sur le gâteau, c'est le savoir-faire des agriculteurs français et des établissements semenciers qui travaillent, qui se sont investis dans ce secteur d'activité à partir du 19e siècle. Et cette activité s'est fortement développée après la guerre, après la Seconde Guerre mondiale. Et à partir des années 70, il y a eu une forte expansion. Alors, plus ou moins selon les espèces, mais bon, voilà, un tableau qu'on pourrait dresser. Pourquoi est-ce qu'on est fort en France sur les semences? Voilà. Gilles Lachambre, pour être très concret, vous, chez Eurosem, vous exportez? Alors, nous, on exporte un petit peu sur les pays limitrophes. Vu notre situation géographique, on va parler de la Belgique, l'Allemagne, un petit peu la Suisse et l'Italie. C'est très peu par rapport aux besoins de production pour la France, au niveau des céréales à la paille et protéagineux. Et Patrick Beauvois, de par chez vous, en Charente-Maritime, ça part au-delà de la Charente-Maritime. Alors, on va pas dire en Charente quand même, mais un petit peu plus loin. Alors nous sommes sous-traitants pour un certain nombre de semenciers français et j'allais dire nous produisons beaucoup de semences oléagineuses et principalement du tournesol. Donc cette fabuleuse fleur jaune qui va se retrouver dans les champs des grands pays de l'Europe de l'Est comme l'Ukraine et la Russie. Donc plus de 70% des semences de tournesol produites sur le territoire de la Charente-Maritime s'en vont au-delà de nos frontières, donc Hongrie, Roumanie et un petit peu plus loin jusqu'en Russie et en Ukraine. D'ailleurs, une sacrée fierté pour les producteurs de voir que ça s'exporte si loin et dans des pays qui sont réputés comme étant des grandes puissances agricoles. Oui, en effet, mais c'est aussi un énorme challenge pour eux, pour nous également au niveau de la station de semences, puisque les normes qui nous sont demandées pour justement répondre aux caractéristiques des semences vendues dans ces pays-là sont relativement hautes et nous y parvenons. Donc c'est vraiment un côté intéressant et effectivement le savoir-faire de nos producteurs qui aujourd'hui est recherché. Et oui, en effet, comme vous dites, ils en sont fiers, nous en sommes fiers. Parce que ça nous donne aussi des perspectives pour continuer nos multiplications de semences encore sur les années qui viennent. Et donc ça, c'est intéressant. Alors moi, je voudrais qu'on termine avec un dernier tour de table. On l'a vu dans une autre émission ici pendant cette semaine sur le plateau de Village Semences. Il y a de nouvelles formes d'agriculture qui se développent. Et pas plus tard que tout à l'heure, nous parlions avec alors je ne sais pas si on peut le qualifier de cultivateur ou d'industriel de la culture, des fermes verticales, ces bâtiments qui vont pousser dans les zones industrielles où on cultivera sur des substrats, on cultivera avec de la lumière artificielle. Est-ce que ça va être l'occasion de produire des nouvelles semences spécifiques pour ce type d'agriculture du troisième millénaire? Monsieur Lachambre. Moi, je pense que les cultures et les espèces, les variétés que l'on peut utiliser, j'aurais tendance à dire à l'horizontale, il n'y a pas de raison qu'en verticale, on ne trouve pas notre bonheur dans les semences qu'on a actuellement. Même question pour vous, Monsieur Fougereux. Dans les fermes verticales, des semences différentes ou les mêmes semences? Bah, ce sont de vraies opportunités de marché d'abord, hein, c'est clair. C'est un secteur qui va se développer. Il y a un vrai appétit de la cité de vouloir développer ce genre d'approche. Alors est-ce que ça va être les mêmes semences? Au départ, sans doute que oui. Peut-être que si le marché se confirme, les sélectionneurs vont être amenés à faire évoluer un peu les semences, les variétés, le matériel génétique, etc. Ça, on verra à l'avenir. Après, je pense qu'il faut, par rapport à ce type de marché, il faut y voir un certain avenir, mais il faut le laisser à une place, on va dire, mesurée par rapport à ce que ça peut représenter vis-à-vis de l'ensemble du marché.
Je vous rappelle que l'agriculture doit alimenter matin, midi et soir, en particulier la métropole de Paris qui fait 12 millions d'habitants. C'est de toute évidence pas comme ça qu'on va envisager l'avenir de l'alimentation d'une ville comme celle-là. Donc oui, ce sont des opportunités de marché, de niche, vraisemblablement, qu'il faut suivre, bien entendu, mais on peut pas considérer que c'est la voie de l'agriculture, quoi. Alors, une dernière question avant de conclure pour vous, Patrick Beauvois. Une question d'un jardinier amateur que je suis. Si je veux faire pousser, par exemple, des pommes de terre près de chez moi, dans mon jardin, ou si je veux des plants de tomates, les graines que je vais utiliser pour faire mes plants de tomates, est-ce que ce sont les mêmes que celles que les professionnels vont utiliser? Oui. Oui, elles sont pas différentes. Elles sont issues de la même recherche. Les plants de pommes de terre que vous allez mettre dans votre jardin ou les graines de tomates que vous allez utiliser ont suivi le même parcours de sélection que pour les professionnels, que l'on soit dans le côté amateur ou professionnel, la semence, elle est produite de la même façon, suivant les mêmes processus, avec les mêmes normes de traçabilité. Simplement, elle va s'adresser à des utilisateurs différents. Mais c'est justement ce qui fait la diversité et la richesse des semences, c'est de pouvoir répondre à ces différents marchés. Et puis, bien évidemment, le jardinier amateur peut, s'il le souhaite, travailler aussi avec des plants ou des semences qu'il peut trouver dans d'autres schémas. Eh bien écoutez messieurs, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. J'espère que vous qui nous regardez, vous avez appris beaucoup de choses sur ce monde des semences qui doit faire face à plein de nouveaux défis, notamment des défis sociétaux et environnementaux. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt sur le plateau de Village Semences. À bientôt.